Le mec, il me dit, c'est formidable, il y a des fleurs partout, je me baigne dans les rivières. C'est le mois de mars, c'est la Sicile, tromperie sur la marchandise. Mal donne, c'est pas le derche. Que t'as déjà remarqué, comment parfois on attend d'être parfait pour commencer à pratiquer quelque chose. Par exemple, une langue. On voudrait être complètement bilingue pour commencer à parler avec des personnes. Mais si on y réfléchit 2 minutes, ce comportement-là, où est-ce qu'il nous amène exactement? À rester dans notre coin? Flipper? Bredouiller aux premières phrases qu'on nous forcera de dire de temps en temps? Quand pour autant les expressions, c'est pas ça. C'est justement jouer, accepter de se gourer avec panache. Et encore, se gourer, tout est relatif. J'aime bien la phrase de Jacob Collier, Collier peut-être, qui dit que finalement, il n'y a pas de fausse note dans la musique. Que peut-être la note, elle est juste pas au bon endroit, ou qu'elle n'a pas trouvé sa suite. Laisse infuser la phrase un peu, juste pour voir. Il n'y a pas de fausse note, c'est juste peut-être qu'elle n'a pas trouvé sa suite. C'est comme ça qu'on devient de plus en plus à l'aise avec son expression. On développe sa créativité, sa sensibilité, dans le sens vraiment où on la laisse sortir. Alors vas-y, publie. Partage. Et s'il s'agit de dépasser tes peurs, comme celle du jugement par exemple, eh bien tu peux jeter un œil ici. À bientôt.